peut-être que deux qui vont parler finalement, parce qu'une a un petit problème, mais il y a deux infirmières et un directeur qui va parler. Alors, je vais passer la parole Bye. À Bruno Mégarban, et juste après, ce sera Jean-François Sibien. Salut, salut Olivier, à bientôt. Est-ce que, oui, vous avez activé Monsieur Mégarban? Alors, oui, je tout le à vois fait. pas, mais... Bonjour. Monsieur... Oui, bonjour. Vous Monsieur m'entendez? Mégarban, merci d'être là avec nous ce soir. Oui, oui, on vous entend très bien. Ok, oui, super. Monsieur Mégarban, merci. Vous êtes professeur et chef de service de réanimation à la Riboisière. Encore un réanimateur, mais c'est un monsieur qu'on a vu beaucoup, 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 beaucoup dans les médias. C'est un message, vous avez été très apaisant, très pédagogue pendant toute la crise sanitaire. Moi, je vous écoutais, je vous l'ai dit quand on s'est croisé l'autre jour, vous faisiez du bien parce qu'en plus, vous exprimez les choses de manière posée et vous nous avez décrypté la crise sanitaire pendant quasiment 2 ans. Moi, je voulais l'avis de M. Mégarban sur la suite. Comment faire pour améliorer les choses? On est à peu près tous d'accord que le Ségur de la santé est insuffisant. Quand on est Bruno Mégarban, qu'est-ce qu'on aimerait bien pouvoir faire si demain vous étiez, allez, président de la République, même pas ministre, président? Qu'est-ce que vous feriez, M. Mégarban? Alors, bon, tout d'abord, merci beaucoup, Arnaud, de m'avoir convié à cette réunion et bravo pour tout ce que vous faites pour l'hôpital et pour la santé. Alors, c'est plutôt vous qui êtes candidat à la présidence que moi, mais je serais bien votre ministre de la Santé si vous vous présentez, si vous étiez élu. Alors. Alors donc, je suis obligé quand même de répondre. Je réponds. Que les choses soient bien claires à nos... Alors là, sinon les gens vont se dire non. Alors, en fait, ce qui s'est passé sur un... Ce qui s'est passé, pour répondre sur ce point-là, parce que c'est vrai que je suis dans la liste du Conseil constitutionnel et je crois que j'ai 6 ou 7 parrainages. Bon. Évidemment, je ne me lance pas dans la présidentielle. Je suis médecin, anesthésiste, réanimateur, je suis du SMUR, de l'urgence, et ça me va bien, et c'est mon métier, et c'est là que je rends service. Mais ma grande inquiétude a été qu'on ne parle pas suffisamment de la santé pendant la campagne présidentielle. Et en fait, en voulant un peu gêner les politiques, eh bien, on s'est dit, bah, tu vois, pourquoi on n'irait pas chercher des parrainages? Et figurez-vous qu'il y a beaucoup de soignants qui sont élus, et dès que ça s'est su, il y a des soignants qui ont dit, ah ben nous on va donner notre parrainage à Arnaud. Et c'est ça qui s'est passé, M. Mégarban. Hein. Ce n'est pas oui, du tout Arnaud Chiche qui s'invente une vie et qui ne fait pas la politique. Non, bien sûr. Je répète qu'on ne fait pas. Voilà, vous l'aviez compris, mais ça me permet de l'expliquer à tout le monde parce qu'il y a des médias qui font semblant de ne pas comprendre. Il y a des médias qui disent « chiche, se lance dans la présidentielle ». Bah non, évidemment que non. Par contre, on embête un peu la présidentielle en leur imposant un message santé. Et effectivement, quand on met un peu le curseur sur moi, très vite, je mets en avant la nécessité d'un plan santé. Voilà l'opération de com. Bah, très bien. Alors, donc, je vais faire très brièvement le même constat un peu que Olivier et Jean-Louis Teboul, concernant l'état de l'hôpital et plus généralement du système de santé. Donc effectivement, la crise Covid a révélé de façon dramatique les difficultés et l'insuffisance de notre hôpital, problème, comme ça a été dit, qui est en fait beaucoup plus profond, avec une crise plus durable, et finalement, la Covid n'a été que le révélateur. En fait, l'inadéquation des lits et du personnel de santé par rapport aux besoins, évidemment, de la population, a été criant, notamment avec cette cinquième vague où on va dire une déprogrammation très importante, probablement non justifiée par le besoin des patients Covid, a été nécessaire, alors qu'évidemment au cours de la cinquième vague, on comprenait bien sûr en raison de l'émergence d'une maladie nouvelle que l'on ne savait pas traiter, en l'absence de prévention, eh bien qu'il faille évidemment réorganiser le système de santé. D'ailleurs, quel que soit le pays, le confinement et la réorganisation s'est imposé. Alors, à mon sens, évidemment, comme ça a été dit, le mal remonte à déjà plusieurs années. Je pense que les 35 heures, la tarification à l'activité, le T2A, et puis plus récemment la loi HPST, évidemment, ont mis cet hôpital dans la difficulté. Et puis les choses se sont poursuivies plus récemment avec le regroupement des services dans des méga-hôpitaux où finalement
on va dire, on s'est éloigné du terrain et du besoin. Alors le manque de lits est évidemment est criant. Tout le monde sait que aujourd'hui nous avons à peu près 287 000 lits et que quand même dans les 20 ans, 100 000 lits ont été fermés. Rien qu'en 2020, 5 800 ont été fermés. J'allais dire, méfions-nous parce qu'évidemment, souvent l'administration justifie ces fermetures par le problème de la médecine ambulatoire. Et nous, on connaît très bien ça, par exemple, à l'hôpital Lariboisière, où un nouvel hôpital doit être construit dans les 2 ans et où un tiers des lits sera fermé sous la justification de la médecine ambulatoire, alors que depuis 5-6 ans, la quasi-totalité des services ont déjà mis en place cette médecine ambulatoire, et donc cette réduction de lits n'a aucune justification et va entraîner un problème de fonctionnement majeur et un problème de santé publique pour le bassin de population que nous drainons. Alors, à côté de ce manque de lits, évidemment, est apparu avec la crise le sous-effectif chronique, notamment en paramédicaux, avec un personnel fatigué, démotivé, sous-payé. Il faut rappeler qu'à l'assistance publique aujourd'hui, 1 400 postes d'infirmiers sont vacants, c'est-à-dire à peu près 7,5% des effectifs paramédicaux, auxquels s'ajoute un absentéisme qui s'est aggravé. On estime à peu près 12% d'absentéisme, alors qu'habituellement il est plutôt aux environs de 6-7%. Donc de fait, 20% de nos lits sont fermés, faute de personnel essentiellement. Soit 3 600 lits à la PHP par exemple, entraînant évidemment une annulation, une déprogrammation de beaucoup d'activités, malheureusement, et une réduction de l'offre de soins. Alors, je dirais plusieurs problèmes évidemment de fond expliquent tout ça. Tout d'abord, bien sûr, comme tout le monde le sait, une gestion avec comme seul guide la logique comptable, en priorisant évidemment les actes de soins et le volume par rapport à la qualité, avec pour variable d'ajustement de la gestion de l'entreprise hôpital, qui est le nombre de lits et le nombre de personnel soignant, puisque tout le monde le sait évidemment, la masse salariale est le premier poste. Et donc si on veut équilibrer un budget, bah, c'est là-dedans qu'on doit taper en premier pour faire des économies. Résultat, évidemment, nous gérons nos services à flux tendu. Alors c'est très marqué en réanimation, puisque tout le monde le sait, à peine un lit libéré, on a immédiatement plusieurs entrants qui attendent ce lit. Et que bien sûr, notamment en garde, nous devons gérer par manque de lits beaucoup de patients sur des brancards aux urgences, ce qui évidemment dégrade la qualité de soins et nous fait prendre personnellement bien sûr des risques. Et on connaît évidemment la judiciarisation de la médecine et les conséquences que cela pourrait entraîner. Alors, cette logique comptable, évidemment, a été renforcée par un centralisme administratif très marqué. Ça a été expliqué tout à l'heure avec des normes de plus en plus rigides. Et puis surtout des structures en mille feuilles. Alors, à la PHP, c'est le maximum, le sommet des choses, puisque vous avez le service, au-dessus duquel il y a le département, au-dessus duquel il y a le GHU, au-dessus duquel il y a l'APHP sectorisé, au-dessus duquel il y a le grand APHP. À chaque niveau, évidemment, il y a un directeur. Donc, vous imaginez le nombre de directeurs, de sous-directeurs, de secrétariats, de cadres et de gestionnaires, toutes ces personnes étant évidemment très éloignées du lit du patient. Ces strates multiples, évidemment, complexifie notre travail. Donc, par exemple, comme chef de service, évidemment, ça a été expliqué tout à l'heure, on doit répondre à des injonctions venant de tous ces strates et renvoyer des Excel en permanence, tout en sachant évidemment que ces personnes ne regardent même pas les Excel que nous remplissons. D'ailleurs, souvent, les décisions sont prises sur une remontée erronée d'informations, puisque comme nous avons peu de temps pour remplir ces Excel, souvent les informations remplies sont fausses, et donc les décisions sont prises sur des informations fausses. Ça, ce sont les constats, donc évidemment, quelles sont les solutions? Alors, bien sûr, je n'ai pas de solution simple. Comme ça a été dit précédemment, je crois qu'il faut remettre
l'ensemble de l'organisation à plat et vraiment reconstruire totalement les choses. Je ne crois pas qu'injecter de l'argent uniquement puisse servir à redresser l'hôpital public. Bien sûr, le premier Ségur a injecté de l'argent. Évidemment, ça a permis de rattraper un certain nombre de manques, notamment les salaires des soignants les moins bien payés. Mais on imagine que lorsque l'on injecte de l'argent, celui-ci va d'abord dans les poches de l'administration. Et comme l'a dit Jean-Louis Teboul tout à l'heure, eh bien, l'administration crée des besoins qui n'existent pas et dont on n'a même pas entendu parler pour justifier évidemment du besoin d'administration. Et donc, effectivement, on crée aussitôt, plutôt que des postes de soignants, de nouvelles directions. Alors, Jean-Louis a parlé de sa fameuse direction des mobilités. Alors, par exemple, dans notre hôpital, nous avons trois directions distinctes, de la qualité, des relations avec les usagers et de la communication. Je me pose parfois la question de savoir est-ce que toutes ces trois administrations ne pourraient pas en faire une dont je reconnais l'intérêt, mais enfin, démultiplier par trois quelque chose qui peut se faire en une seule fois, je crois qu'on pourrait gagner quand même en termes de restructuration. Donc, il faut d'abord, à mon avis, redéfinir les missions. Ça, c'est, je crois, le plus important. Donc, en fait, ça n'est plus de faire du chiffre et d'équilibrer un budget, mais de revenir à la valeur médicale fondatrice de l'hôpital, c'est-à-dire notamment de mettre le patient au soin de la chaîne, de la filière de soins. Et donc, à partir de ce principe, reconstruire évidemment les structures. Donc notamment les départements pour la PHP qui ont totalement oublié la filière de soins et qui se sont basés uniquement sur des notions d'économie, d'échelle d'économie. Par exemple, typiquement regrouper l'ensemble des services d'anesthésie et réanimation d'hôpitaux différents entre eux, couper du reste des services n'a qu'un intérêt économique et comptable. Et beaucoup moins évidemment un intérêt de qualité, à mon sens. Donc évidemment, il faut revenir, à mon avis, à l'échelle de l'hôpital. Et on a vu au cours de la crise Covid que c'est vraiment au niveau de l'hôpital, entre les services, qu'on a réussi à passer la première vague. C'est vraiment le moment le plus intéressant, à mon avis, de notre vie, où finalement l'administration s'est effacée. Et où, parce que l'on se connaît sur le terrain, parce que l'on connaît les besoins de chacun, parce que l'on s'est organisé entre nous, que les choses ont fonctionné. Malheureusement, aussitôt après, se sont installés des structures supra-hospitalières, des cellules de crise de GHU, qui ont à nouveau reperdu contact avec le terrain, et qui ont fini uniquement par donner des injonctions parfois extrêmement éloignées de la réalité. Alors ça, je pense, c'est le fondement. Ensuite, évidemment, il faut donner quand même un peu d'argent, et notamment adapter l'ONDAM aux besoins, limiter probablement la gestion par la T2A à des activités très standardisées. Je rappelle évidemment qu'à l'hôpital public, certes, nous soignons un peu les mêmes pathologies qu'ailleurs, notamment que dans le privé, mais ça n'est pas les mêmes patients. Évidemment, un patient qui a une appendicite à l'hôpital public, eh bien, c'est pas les mêmes comorbidités, c'est pas la même gravité, c'est pas les mêmes complications. Pourtant, ça rapporte le même argent. Donc, il faut un peu revoir ça, bien sûr. Ensuite, je pense évidemment il faut revoir le nombre de lits et les effectifs hospitaliers. Alors, probablement une des clés, comme vous l'avez dit, c'est les ratios. Alors, en réanimation, évidemment, nous les avons déjà. Mais il faut savoir évidemment qu'un ratio sans personnel en face, ça ne fonctionne pas. C'est même, à la limite, bloquant. Par contre, si... si l'administration, bien sûr, venait à revoir le nombre de personnel, le ratio serait une garantie de qualité importante.
Il faut évidemment, et je le vois dans le chat, revaloriser les salaires hospitaliers et, comme ça a été dit, les amener à la moyenne européenne, revaloriser on va dire les salaires de la permanence des soins. Moi, je ne comprends toujours pas, évidemment, par exemple, pourquoi on a différencié au niveau médical autant de catégories entre le PUPH, le MCUPH, le PH, le chef de clinique. C'est vraiment très compliqué. Chacun a sa grille de salaire, à son mode de rémunération, à tel point que, par exemple, quand j'étais PH, j'étais moins payé qu'un chef de clinique, ce que je comprenais pas, alors que j'étais censé avoir plus de bagages médical. Et puis maintenant, évidemment, je suis mieux payé en tant que PUPH qu'un autre PH, dont je comprends toujours pas d'ailleurs. Donc je crois qu'il faut revoir un tout petit peu ça et probablement uniformiser les choses, parce que c'est source de conflits en fait. Et c'est vrai que moi, étant chef de service, c'est extrêmement difficile à gérer et à expliquer à chacun quels sont ses devoirs et ses droits. Voilà. Pour le personnel paramédical, je crois que ce qui manque, c'est la reconnaissance des compétences professionnelles, la valorisation des carrières. Et ça, c'est très marqué pour les infirmiers de réanimation, à tel point que je m'en plains toujours, une infirmière de réanimation voit finalement comme aboutissement le fait de devenir une infirmière anesthésiste. Et ça, je n'ai jamais compris évidemment pourquoi. Parce que bien sûr, infirmière anesthésiste, il y a un diplôme, il y a une revalorisation salariale, mais un infirmier de réanimation, il n'y a rien de tel. Et c'est vrai qu'un infirmier qui passe plusieurs années dans le service, eh bien, il sort du service avec la même situation qu'à l'entrée. Et je crois qu'il faut absolument revoir ce point-là, car évidemment, tout le monde le sait, travailler en réanimation va entraîner évidemment la nécessité d'acquérir des techniques extrêmement difficiles, une spécialisation. Et la crise Covid a bien montré évidemment qu'un infirmier de réanimation n'est pas remplaçable aussi facilement par un autre. Et aujourd'hui, c'est bien sûr le point de fragilité du fonctionnement des services de réanimation, puisque partout, là où il y a des lits fermés, c'est uniquement en raison du manque d'infirmiers spécialisés en réanimation. Je crois que sur le dernier point, évidemment, que je voulais soulever, il faut bien sûr envisager une modification de la gouvernance, parce que aujourd'hui, évidemment, l'ensemble on va dire, de l'argent, qui est quand même le point important, est dans les mains des administratifs, même s'il y a des médecins qui rentrent dans les CME et les CMEL, très rapidement, ils adoptent des positions de dépendance vis-à-vis de l'administratif, puisque n'ayant pas d'argent, ils n'ont pas la décision, et à l'inverse, cherchant une valorisation de leur propre carrière personnelle, ils adoptent les points de vue de l'administration. Et je crois qu'il faut rééquilibrer les pouvoirs. À tel point qu'effectivement les administratifs, bien sûr utiles pour le fonctionnement de l'hôpital, soient des vrais interlocuteurs aux soignants et pas l'inverse. Ça c'est un point aussi important parce qu'évidemment sinon on ne pourra pas, on va dire, remettre le patient au centre de la préoccupation de l'organisation hospitalière. Voilà, donc je crois que on voit qu'il y a beaucoup d'axes de travail. À mon avis, c'est la philosophie de l'hôpital qu'il faut revoir. Il faut bien sûr de l'argent, adapter les budgets, mais pas que. Il faut revaloriser la fonction de soignant par le salaire, mais aussi par la motivation et par la valorisation et les perspectives de carrière. Et enfin, il faut rééquilibrer administration et soignants au sein de la gouvernance. Voilà, je ne sais pas, je suis ouvert aux questions, bien sûr. Ouais, merci Monsieur Mégarban. C'était également un magnifique passage en revue. Moi, j'ai noté tout ce que vous avez parlé du millefeuille administratif, qui est probablement quand même un petit souci. Ça devient plus que le millefeuille, c'est surtout la charge administrative qu'on demande aux soignants. Ça devient quand même un fil rouge de quasiment toutes les interventions
Donc là, je crois qu'il y a un vrai sujet. Je pense que alors moi, c'est simple, je le traduis par suppression de toute charge administrative pour les soignants. Voilà. C'est vrai que comme ça, sans embaucher, si on gagne 30, 20, 30, 40% de temps clinique par soignant, comme ça va être facile. Alors en fait, ce qui est marrant, c'est que je le savais pour la médecine de ville, mais je n'avais pas idée que c'était tellement important aussi comme ça à l'hôpital. Je n'avais pas ce vague souvenir, mais effectivement, vous avez parlé de la fermeture de lits, vous avez parlé de quelque chose de passionnant qui fera l'objet d'audition. Et chaque sujet que vous avez soulevé, Monsieur Mégarban, c'est pour ça qu'on ne va pas développer ce soir, on n'aura pas le temps, même si on adorerait. Chaque sujet que vous avez soulevé fera quasiment l'objet d'une audition dédiée pendant 1 heure. Donc, on y reviendra de toute façon. Et vous avez parlé de la vision économique. Évidemment, l'économie marchande appliquée à la santé, ça ne marchera jamais. De reconstruire les choses, la T2A long terme, la permanence des soins. Alors, je m'amusais. Merci pour votre exemple pour les gardes. Effectivement, c'est complètement incroyable que des médecins, même s'ils n'ont pas le même statut, quand ils cohabitent la nuit au même endroit, ils n'aient pas la même paye en garde. Enfin, il faut vraiment être fou pour imaginer un truc pareil. Alors, moi, je vais au-delà de ça, hein. Moi, je pense que tout le monde devrait être au tarif des intérimaires, à savoir 50 euros de l'heure. Comme ça, c'est réglé. Et puis, ça a permis de résoudre le problème des intérimaires. Bon, ça, c'est mon avis perso. Et j'ai bien aimé votre regard, enfin, votre incompréhension en faveur des infirmiers qui vivaient comme une vraie perspective, un vrai objectif de vie de devenir IAD et donc de quitter l'AREA. Et c'est vrai, quand on y pense, attention les IAD, ne vous fâchez pas, vous faites un très bon métier. Mais Oui, désolé. En fait, en bien fait, sûr, ce n'est pas une ce que vous critique êtes dirigée vers les IAD. Simplement, c'est vrai que, bien. au niveau de la Ça devrait reconnaissance du suffire. statut, voilà, Bien sûr. l'impression que ça Vous avez donnait, raison. c'est comme s'il y avait une hiérarchie. Et c'est vrai qu'une infirmière de réanimation médicale se trouvait avoir comme objectif, de devenir IAD uniquement pour valoriser, son travail et avoir une reconnaissance, diplômante. Dommage. Ouais, c'est un peu dommage. Merci beaucoup, Monsieur Mégarban. Il faut Merci à absolument vous. qu'on avance parce qu'on est déjà ultra. Merci de nous avoir fait l'amitié d'être là. Et Avec merci plaisir. beaucoup, Merci beaucoup, beaucoup. beaucoup. Vraiment, vraiment, monsieur. Enfin, vous savez que ça m'a beaucoup flatté, vous acceptiez.